Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci d'être parmi nous. Dernière minute, le technicien portugais semble ne pas avoir apprécié la nouvelle de son limogeage. Le management du technicien portugais Antonio Conceição de l'équipe nationale de football du Cameroun lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021 n'a pas fait l'unanimité. Désormais, c'est Rigobert Song, le nouveau sélectionneur national. Sur très haute instruction de M. le Président de la République, le sélectionneur de l'équipe nationale de football masculin, M. Antonio Conceição, est remplacé par Rigobert Song. A annoncé le ministre des Sports avant que la FECAFOOT n'officialise à son tour l'information. Ce limogeage semble avoir eu un goût amer pour le technicien portugais car il compte contre-attaquer. Nos confrères de 237 Actu nous révèlent que Conceição veut saisir la justice. Selon les sources, Antonio Conceição s'apprête déjà à saisir la justice pour une compensation liée à la rupture de son contrat. Souligne le confrère. Nommé en septembre 2019, le technicien portugais totalise 24 matchs, 14 victoires, 8 nuls et 2 défaites. Nous y reviendrons avec amples informations. Restez connectés pour la suite. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.